Salut à tous, c'était ZK. Donc aujourd'hui, on va pas faire une longue vidéo. Je voulais juste vous dire que ce qui va suivre dans quelques instants, j'ai vu ça sur Instagram. Et franchement, vous me dites ce que vous en pensez si Booba il a refusé le combat. Parce que, à ce qui paraît, il a refusé le combat en Tunisie. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bon, écoute, Eli, le contrat il est arrivé. Tu vas le signer, t'as pas le choix. Ta seule option, c'est la bagarre. Ça va se passer au mois de juin, en Tunisie, dans l'octogone. Donc rendez-vous dans la cage. C'est un contrat en béton, rien à voir avec la grosse merde que t'as envoyée. Il y a tout dedans, tout ce que t'as demandé. T'as accepté mes conditions, j'ai accepté les tiennes. Tu voulais un grec frites, il est marqué dedans. Il y a la merguez, il y a tout. Il y a la room girl, il y aura tout. Donc ça va se passer au mois de juin, en Tunisie, je le répète, et tu vas signer ce contrat. Tu vas voir ce que je vais te faire. Armand! La Tunisie, ça va pas le faire, frère. On va te renvoyer le contrat, mais tu vas t'arranger, je sais pas ce que t'as là-bas, ton équipe ou quoi là. Hein. Mais on va te renvoyer un truc. Et moi, pas de problème. Je suis chaud depuis le départ. Mais on va le faire au moins pas loin de Paname, t'as vu? Comme ça, les supporters, ils peuvent venir. Voir le niquage de mer. Donc, Luxembourg, Suisse, Belgique. Et Tunisie, chez là, frère. Salam à Tunis, Hammamet. On reviendra bientôt, Inch'Allah. Mais pas pour la bagarre. Bonjour à tous. Parlons bien, parlons peu. T'as demandé un contrat avec l'heure, le jour, la date. Et un grec, on t'envoie un contrat avec l'heure, le jour, la date et un grec. Maintenant, tu te chies dessus, tu flippes, t'es une grosse salope et tout le monde le voit. Moi aussi, j'aurais voulu que ça se passe en Europe. Mais tu sais très bien qu'avec nos antécédents, Orly, aucun préfet n'aurait donné l'autorisation. C'est pour ça que dans ton contrat bidon, toi-même, il n'y avait même pas de... Il y avait Belgique, Suisse, etc. Toi-même, tu savais pas. Le promoteur, il a contacté mon avocat, il a lu le contrat, et la Tunisie, c'était le meilleur compromis. Mais apparemment, t'as un problème avec la Tunisie. Quoi, la Tunisie, c'est pas assez bien pour toi? Tu crois qu'il n'y a pas l'eau chaude? Tu crois qu'il n'y a pas l'électricité là-bas? Ouais, il n'y a pas mon nom sur ta partie, parce que c'est une partie entre toi et le promoteur. Il y a ma partie entre moi et le promoteur. J'ai signé ma partie. Si tu veux, je mets mon nom sur ta partie. Ouais, c'est une représentation scénique. Parce qu'on n'est pas des combattants. J'espère que tu es au courant que t'es pas un combattant, t'es juste le coq sportif. Une salope bodybuildée. Tout le monde le voit maintenant. Et parle pas de ma religion. Il y a des joueurs de foot qui font la Ligue des Champions pendant le Ramadan. Donc t'inquiète pas pour mon entraînement. Signe le contrat ou ferme ta gueule à tout jamais. Parce que t'es une grosse salope. Tout le monde le voit maintenant.